Alors, on retrouvera très bientôt sur nos tablettes les citations du maire de Sainte-Adèle. Mais on en a une qu'on devait lire. Vous deviez nous la relire. On en a parlé juste avant d'aller en pause, mais c'est une citation qu'on devait lire. Alors, allez-y. La citation, j'ai retrouvé mon document. « La réussite scolaire est une responsabilité collective qui ne dépend pas uniquement des jeunes, de leurs parents ou de leurs enseignants. C'est toute une communauté qui doit se mobiliser pour contribuer au développement de ces jeunes, les encourager, les inciter à persévérer et surtout les valoriser dans leur réussite. » Ça, ça sera être inscrit... dans un volume pour étudiants ou dans l'agenda. Ouais, merci, M. le maire. Le PREL, justement, c'est un regroupement de partenaires dans la région. Vous pourriez peut-être me dire qui sont ces partenaires qui se sont regroupés au niveau du PREL? Je sais pas qui. Je vais laisser madame. En fait, il y a 14 partenaires actuellement là, autour du PREL. C'est sûr qu'il y a tous les partenaires autres, mais ceux qui sont signataires de l'entente, ce sont les 5 commissions scolaires, dont la commission scolaire anglophone et les 4 commissions scolaires francophones. Le Cégep de Saint-Jérôme, la direction régionale du ministère de l'Éducation, la Direction de la santé publique, Emploi Québec, Service Canada, Forum Jeunesse, Bel Hélicoptère aussi sont de la partie avec nous. Donc, vraiment, c'est tout représentatif, finalement, de la communauté, les gens qui sont autour de nous. Oui, absolument. On parlait durant la pause, ce qui est un autre point important à apporter, c'est qu'il y a une résolution maintenant que les municipalités, différentes municipalités ont signé pour inciter... quelle est cette résolution, en fait? Bon, on parle d'éducation, c'est sûr. Oui, mais... c'est une résolution qui a été débattue au niveau des maires de la MRC pour les 10 municipalités. Mm-hmm. Et puis, cette résolution-là est en force. Je pense que tous les maires sont conscients. Et la résolution dit... Elle est en faveur de la persévérance scolaire. C'est vraiment de mettre en place, à travers les différentes villes et MRC, des mécanismes qui vont faire en sorte que nos jeunes puissent persévérer, donc que la ville, finalement, emboîte le pas au niveau de la persévérance scolaire. On parlait d'outils pour aider à la persévérance. Donc, dans les 10 dernières années, il y a des outils qui ont été mis en place. On voyait dans les statistiques que l'implication des parents était très importante. Est-ce qu'il y a des outils qui ont été mis en place pour aider les parents à s'impliquer auprès des jeunes, auprès Absolument. De leurs enfants? Oui. Dans les dernières années, certains d'entre vous avaient peut-être vu passer la trousse parents. Donc, la trousse parents est vraiment un DVD qui, au niveau des transitions qui sont vécues par l'enfant, accompagne le parent pour lui dire, bien, dans la transition vers la maternelle, dans la transition vers le secondaire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les défis qui sont à rencontrer et comment on peut avoir des trucs pour pouvoir traverser ces étapes-là avec succès? L'autre outil qui est pas nouveau, mais qui a été refait, en fait, c'est une initiative qui a été faite dans la MRC d'Antoine Labelle. C'est « Mon enfant, son avenir », donc un volume, finalement, qui trace les différents parcours que l'enfant a à franchir dans son parcours scolaire et quels sont les choix de carrière. On parlait d'aspiration scolaire tout à l'heure. Oui. C'est à partir de la 5e année qu'on commence à faire des choix. Souvent, on parle d'orientation et tout, rendu au secondaire, mais c'est très, très tôt. Donc, volume 1, 5e année, 6e année, secondaire 1 et 2, pour le parent, pour accompagner son enfant au niveau de ses choix de carrière, et un second volume qui s'en vient pour le secondaire 3, 4, 5, cégep, université. OK. La semaine dernière, en entrevue de fond, à rendez-vous actualité, je recevais un groupe de la SADC. Mm-hmm. On parlait de mentorat. Mentorat où on a remarqué qu'une bonne grosse partie des entreprises qui faisaient affaire avec un mentorat, après 5 ans, réussissaient et l'autre pourcentage, donc, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Bon, ça ne fonctionnait pas vraiment. Est-ce que, du côté des étudiants, est-ce que ça existe un programme de mentorat, un programme d'aide aux études, un programme de « je vous fais aimer maintenant l'école », je sais pas. En fait, ici dans la région, il y a Académos, que peut-être certains d'entre vous connaissez. On est partenaire un peu de loin, mais effectivement, Académos est assez présent dans nos écoles au niveau du mentorat, du cyber-mentorat. Oui. Donc, c'est de l'accompagnement là, plus via le web. Et dans les différentes écoles, il y a des stratégies là, d'accompagnement en mentorat, effectivement. Oui. Oui. Dans mon temps, il y avait des programmes parascolaires, théâtre, on sortait en fin de journée, etc., théâtre et sport et tout ça. Et j'avais l'impression que ces jeunes-là
trippaient, aimaient beaucoup plus l'école que d'autres. Est-ce qu'effectivement, des programmes sport-études, sport-art-études, ou peu importe comment on appelle les programmes maintenant, est-ce qu'on perçoit une différence? Est-ce que les jeunes sont effectivement plus intéressés par l'école parce qu'on participe à des activités parascolaires? Effectivement, quand le jeune est engagé dans quelque chose, quelle qu'elle soit, que ce soit artistique, sportif, que ce soit même au niveau de l'informatique, des nouvelles technologies, quand le jeune est investi dans une action qui part à son école, c'est accrocheur, ça c'est sûr. On a vraiment dans nos écoles des bijoux, des trésors qui sont développés par nos enseignants, c'est en passant par des actions plein air, du sport, de l'art. Vraiment, on développe beaucoup de choses. Et avec le PREL et certaines écoles ici dans la région, là, plus Sainte-Agathe, là, du côté de Sainte-Agathe, il y a le Mobilis qui a été fait, donc qui est vraiment une vidéo qui présente l'école sous toutes ses formes et qui demande à la communauté de pouvoir s'investir à l'intérieur sur différents programmes comme le cirque, comme les arts, le sport. Donc, vraiment, il y a un lien aussi avec la communauté maintenant là, pour mettre des actions dans les écoles. Oui. Nous, du côté de la ville, on a contribué pour l'aménagement de l'auditorium de l'école A.N. Morin. Mm-hmm. Je pense que ça avait besoin d'être rafraîchi. Oui. On a contribué monétairement à la hauteur de 20 000 par année pendant 5 ans. Fait que je pense qu'on va remettre, on va upgrader un peu la salle. Pour les arts, enseigner à l'école. Oui, c'est ça. Il y en a qui font de là-dedans, du théâtre, en tout cas. Un peu. Du côté sport, on est un petit peu moins bien organisé parce qu'on n'a pas d'installation sportive. Mais je pense qu'en tout cas, ça se parle. On va peut-être profiter d'une occasion qui va se présenter à nous autres d'ici peu pour peut-être essayer de développer. Il y a un projet d'aréna, je pense que ça fait bien des années que ça se parle. Mais... Pour la région de Saint-Adèle-Val-de-Marne. Oui, le coin, oui. Je pense qu'en tout cas, on a rien. Il n'y en a pas ni à Saint-Sauveur, ni... Non, ni à Saint-Adèle, ni Saint-Sauveur. Tu sais, à Saint-Sauveur, il y avait un projet de piscine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça va donner comme résultat. Là, mais... Est-ce qu'ici, justement, dans la région, on a une piscine pour les jeunes? Est-ce que sport-études de natation existe? Ou... Non, il n'y en a pas. Okay. Saint-Agathe. Saint-Jérôme. OK. Donc ça, c'est pas tellement que moi, les terrains de soccer, c'est pareil, tu sais, terrains de football. En tout cas, il y a un projet qu'on a discuté avec la commission scolaire, puis peut-être qu'à un moment donné, si on est chanceux, ça devrait lever. Alors, parlons encore une fois d'implication. Ce qui est important, c'est que les parents s'impliquent, mm-hmm. Que notre communauté s'implique, parce que ça passe par la communauté, d'encourager nos jeunes à rester à l'école, parce qu'on veut pas que ça finisse pas bien. Et puis, depuis 10 ans, tout est mis en place pour que ça se passe ainsi. Et vos concitoyens, donc, ont mis en place cette marche pour encourager les jeunes. Cette marche qu'on va reparler encore maintenant, on va redonner la date et l'heure. Lundi, le 11, à 13h, à partir de l'École Saint-Joseph, la marche va débuter à l'École Saint-Joseph, se terminer sur le Lacron, avec un tour de lac. Et puis, on va y gâter un petit peu de chocolat chaud, un petit peu de... pour au moins qu'on soit un petit peu reconnaissant. Et au niveau du PREL, qu'est-ce qui se passe prochainement au niveau du PREL pour les étudiants, pour les jeunes? En fait, la marche synchronisée va se passer aussi partout dans les Laurentides. Donc, les 40 000 personnes tant attendues doivent s'inscrire sur le prel.qc.ca. Il y aura des escouades de la persévérance scolaire qui seront faites dans chacune des MRC pendant les 3 autres journées, donc le 12, 13 et 14. Et le 15 février, on dévoilera les kilomètres parcourus à la polyvalente des Monts à Sainte-Agathe cette année en compagnie de Sylvie Fréchette. Autre partenariat avec justement l'Armada de Blainville-Boisbriand. Okay. Donc cette année, on a un partenariat avec eux là, dans le cadre de ces journées de la persévérance scolaire-là. Donc on pourra dévoiler les kilomètres parcourus avec eux. Vous aviez rajouté quelque chose? Oui, bien, mon conseil va participer. Les conseillers vont participer à la marche. Tous les conseillers seront là. Oui. Oui. Madame la directrice générale, elle est encouragée face à ce qui se passe depuis 10 ans dans les Laurentides? Absolument. Je dois vous dire qu'il y a une mobilisation incroyable. Comme le disait tout à l'heure M. le maire, bon, on voit que la communauté s'y intéresse. On s'est toujours intéressé à la réussite de nos jeunes, mais il y a des actions. Il y a vraiment des actions probantes qui se font dans la région. Il y a des pas de géants qu'on franchit. Tout le monde fait son petit bout. Et on a toujours la même marotte. Hein? Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour. Oui. Donc, il est important que ce soit un neveu, un frère, une sœur, quelqu'un qui est autour de nous. Juste de dire, lâche pas. On va y arriver.
Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. On termine l'émission sur ces belles paroles. Merci à vous deux. Merci. On se revoit une prochaine fois. Merci à vous à la maison d'avoir été là encore aujourd'hui pour le rendez-vous des Laurentiens Actualité. Je me permets de vous inciter à écouter l'émission Connectée sur les Laurentides, l'émission de ma collègue Eliane Elstock qui s'est méritée 53 % de cote d'écoute cette année avec vous, les gens à la maison. Alors, restez là, soyez toujours présents. Ça nous fait très plaisir de vous avoir chaque semaine. Allez, au revoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.